Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Nous avons notre cinquième conseil municipal de la mandature qui se tient aujourd'hui avec un ordre du jour concernant le réseau de bus du Chesnay-Rocancourt. Je vais donner immédiatement la parole à notre secrétaire de séance qui est aujourd'hui Madame Véronique Siadou afin qu'elle procède à l'appel. Merci. Richard Delepierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie Lonclaud-Duda. Louis-Marie Soleil. Donc procuration donnée à Richard Delepierre. Christophe Konsdorf. Donc procuration donnée aussi à Richard Delepierre. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Temenides. Philippe Collins. Donc procuration donnée à Gilles Bertin. Gilles Bertin. Claude Joriot. Procuration donnée à Tanegui Odig de Kernen. Marie-Thérèse Kelly. Donc procuration donnée à Aline Temenides. Dominique Forger. Marie-Claude Chevrier. Janine Bataille. Simon Bonne. Donc procuration donnée à Benoît Ribert. Patrick Berthomé. Jean-Michel Vongère. Tanegui Odig de Kernen. Géraldine Arène-Schneider. Marie-Laure Majou. Donc, procuration donnée à Tanegui Odig de Kernen. Frédéric Darrentière. Je ne sais pas si... Il est absent. Fabio Baya. Procuration donnée à Camille Ribert. Valérie Genquin. Représentée donc par Janine Bataille. Anne Testu. Agathe Méry. Donc, Violaine Charpentier. Joséphine Parmentier. Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévelli, Jean-François Pommery, donc représenté par monsieur, procuration donnée à monsieur Philippe Briot, Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Riotor, donc procuration donnée à madame Alquier, Nicole Alquier, Karine Lemenet, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer, donc procuration donnée à M. Briot, et Laetitia Guignarvio. Merci Madame Siadou. Je présume donc que le quorum est largement atteint eu égard aux règles spécifiques liées à la loi sur l'état d'urgence sanitaire qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Donc nous avons été sollicités par notre groupe d'opposition. Pour un point que je considère être un point complémentaire sur les réseaux de bus au Chesnay-Rocancourt, puisque nous y avons consacré un temps significatif lors du conseil précédent. Pour autant, donc, suite au conseil municipal du 2 juillet, suite à la présentation de l'information au point 11 de l'ordre du jour par le maire, suite à l'absence de documents accompagnant cette information, ce qui n'est pas complètement vrai, suite à l'importance des propos tenus par le maire sur le réseau de bus incluant les décisions concernant l'ensemble de la population, suite à la délibération numéro 13, permis d'aménagement de la friche du Tarte, il est demandé l'envoi d'un dossier complet aux membres du Conseil pour cette séance spéciale concernant les modifications prévues sur les lignes de bus avec les accords écrits de Versailles Grand Parc et d'Île-de-France Mobilité, le planning de ces éventuels changements, les modifications de circulation des véhicules autres que les bus ainsi que le planning de mise en œuvre, les modifications de stationnement consécutives, les aménagements spécifiques réalisés et maintenus, ceux prévus et non réalisés et les nouveaux projets non connus, concernant plus particulièrement le devenir des arrêts Louis-Pelin, aménagement avenue Charles de Gaulle face à l'enseigne La Paire, face au centre commercial, autour du carrefour de Marly, avenue du Tartre, plateau Saint-Antoine. Merci de bien vouloir accuser réception de cette demande. Alors, petit âge, je l'ai dit, j'ai consacré un temps important lors du précédent conseil à faire un point d'information sur les bus, donc je pense que vous avez été attentif, donc je ne vais pas vous refaire cette séquence. Ensuite, je vous avoue que je suis assez étonné d'un certain nombre de demandes que vous formulez, notamment sur la modification du tracé. Je rappelle que ce tracé, c'est vous qui l'avez négocié, c'est vous qui l'avez signé, donc me demandez des accords écrits, c'est un accord quadripartite qui a été signé le 6 septembre. À ma connaissance, il n'a pas été abrogé, donc je n'ai pas vocation à redemander des confirmations de signature. Cet accord, la mairie l'a signé, Keolis l'a signé, Île-de-France Mobilité l'a signé et VGP l'a signé. Et à mon avis, à ma connaissance, personne ne l'a abrogé. Donc vous étiez signataire, vous étiez à la manœuvre, vous avez étudié et validé cet accord. Donc tous les éléments techniques, c'est plutôt à vous
de nous les donner qu'à moi de vous les redonner. Donc je ne vous les redonnerai pas, je pense que vous avez gardé vos archives. Le planning, je l'ai indiqué lors de la séance précédente, à la demande de Versailles Grand Parc, le planning pour l'instant c'est le 24 août, c'est-à-dire les dates classiques de changement de réseau dans tous les réseaux, qu'ils soient ferrés ou urbains, c'est la rentrée, c'est la date naturelle de changement pour que les usagers puissent s'adapter. Voilà, donc sauf cas particulier de contraintes techniques fortes, en règle générale, il est tradition dans tous les réseaux urbains de ce pays de modifier les tracés aux rentrées scolaires, parce que c'est le moment qui est le moins pénalisant et le moins compliqué pour les usagers. Mais je crois que c'est une règle de bon sens. Concernant les modifications de circulation des véhicules, le seul élément que nous allons mettre en œuvre dès le changement de ce tracé, c'est la remise en double voie de l'avenue de Basseux. L'aménagement qui a été décidé sans aucune concertation l'été dernier, effectivement, facilite la circulation des bus. Il est néanmoins source de danger parce que, sauf avoir une présence permanente de la police municipale, le couloir de bus, puisque de facto c'est un couloir de bus sans aucun obstacle, puisque toutes les places de circulation, de stationnement ont été enlevées, permet à des gens pressés et pas très respectueux du code de la route de parcourir l'avenue de Basseux à vive allure. Et vous savez comme moi que c'est source de danger extrêmement importante. Donc nous allons rétablir la circulation telle qu'elle était avant. Le plan détaillé de remise en place du stationnement n'est pas encore arrêté, mais nous remettrons effectivement du stationnement, notamment pour permettre de casser un peu la vitesse, même si ce n'est pas la vocation première d'une place de stationnement, mais nous rétablirons la circulation double sens véhicule particulier et bus, puisqu'il y aura encore une ligne de bus avenue de Basseux, dès la rentrée prochaine. Nous avons indiqué que pour ce qui concernait les avenues, les rues Kléber et Glatigny, puisque j'ai reçu énormément de courriers, et notamment beaucoup de courriers relatifs à la sécurité, donc j'entends cette attente légitime des habitants de ce secteur, nous allons mettre en place de la zone 30, ça n'a jamais été fait, nous allons mettre en place des radars pédagogiques, et nous rediscuterons avec les riverains d'aménagements complémentaires s'ils se révèlent nécessaires pour garantir le respect de cette circulation à 30. Dans ce secteur, la circulation à 30, ça ne tue pas entre guillemets tous les risques, mais ça atténue les nuisances sonores et ça limite la dangerosité d'éventuels accidents qu'il pourrait y avoir dans ce secteur. Voilà, donc c'est les outils qui sont à la disposition de la mairie et qui peuvent être mis en œuvre extrêmement rapidement. Donc nous le ferons dès la rentrée et s'il y a besoin d'aménagements complémentaires, nous les discuterons avec les riverains. Pour ce qui est d'un certain nombre d'aménagements relatifs au secteur Louis-Pelin, c'est des sujets qui sont sur la table depuis 10 mois, donc vous avez très largement eu le temps d'y travailler. Nous poursuivons le travail, mais nous sommes surpris de voir qu'un certain nombre d'études, notamment d'études de visibilité, n'ont toujours pas été faites. Donc nous poursuivons le travail en discussion avec les riverains. Le sujet n'est pas simple, mais il est en voie d'être résolu, en tout cas pour permettre d'améliorer la sécurité de la circulation et des sorties de résidence. Nous allons traiter un sujet, je l'ai dit lors du dernier conseil, qui est sur la table lui depuis 3 ans, qui est celui des toilettes que nous devons aux conducteurs, à la fois sur le secteur Charles de Gaulle et sur le secteur Louis-Pelin. Et là, ce n'est pas un oubli, c'est une volonté de mon prédécesseur de ne pas avoir traité ce sujet. Donc nous allons le traiter. Mais c'est un sujet qui est vraiment sur la table depuis 3 ans. Concernant l'aménagement Charles de Gaulle, il va simplement s'agir de mettre aux normes personnes à mobilité réduite l'intégralité du linéaire de quai, puisqu'aujourd'hui, il y a des positions de bus qui sont des positions commerciales et d'autres qui sont des positions simplement de régulation. Aujourd'hui, toutes les positions devraient être des positions permettant la descente des voyageurs, le bus se mettant ensuite en régulation, et donc pour ce faire, il faudra que toutes les personnes à mobilité réduite puissent descendre dans de bonnes conditions sur l'intégralité du linéaire. Donc c'est des études qui sont relativement simples, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver des fournisseurs pour être en situation 2, donc nous aurons certainement une phase provisoire, comme ça a été le cas sur l'aménagement du réseau précédent, afin de pouvoir, à l'automne, avoir des aménagements conformes à la réglementation. Sur l'arrêt de bus de la Redingote, là aussi, c'est un arrêt que vous aviez tout le loisir d'étudier au moment où vous avez signé l'accord le 6 septembre. Je rappelle que cet accord devait être mis en œuvre 2 mois après. Je suis donc très étonné qu'aucune étude significative n'ait été faite. Donc nous avons repris dès notre arrivée avec l'ensemble des partenaires ce dossier, dont il était clair qu'il n'avait été étudié par personne et que c'était un point difficile. Donc courageusement, vous ne l'avez pas étudié, signe s'il en était besoin de votre absence de volonté de mettre en place cet accord. Nous sommes en situation aujourd'hui de pouvoir installer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en préservant les arbres sans déplacer les candélabres et en ayant des nuisances minimum pour les riverains, un arrêt de bus aux normes dans le secteur qui se trouve donc en face de la station-service, à l'endroit, un peu avant la contre-allée, un endroit qui permet donc d'avoir le linéaire nécessaire et les aménagements personnes à mobilité réduite qui permettent d'implanter cet arrêt. C'est un sujet technique
complexe sur lequel nous travaillons depuis notre arrivée et pour lequel, là aussi, nous aurons une phase sans doute provisoire, non pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons de vote de subvention, puisqu'il y a de France Mobilité qui doit nous accompagner, ne se réunira qu'au mois d'octobre, mais vous connaissez ces contraintes comme moi, il y a des contraintes de calendrier pour les subventions et nous nous y plierons bien volontiers. Voilà donc ce que je pouvais dire pour ce qui est des problématiques de circulation véhicules particuliers. Nous avons indiqué que nous lancerions à la rentrée une étude plan de déplacement urbain qui prendra en compte l'ensemble des mobilités et qu'à l'issue de cette étude, quand nous disposerons de l'ensemble des données, je sais que vous avez lancé une étude qui est tardée un peu arrivée, qui couvre une partie du secteur mais pas l'intégralité de nos besoins, donc on va compléter cette étude de telle sorte d'avoir du matériau et ensuite de pouvoir proposer des aménagements de sens de circulation que nous concerterons avec les conseils de quartier parce que là on est complètement dans la compétence de ce qu'on peut attendre demain des conseils de quartier et que nous mettrons en œuvre au printemps, aller vers au printemps 2021. Voilà les éléments que je pouvais partager avec vous. Je rajoute, mais nous en parlerons peut-être tout à l'heure parce que je ne les avais pas présentés, que je vous ai mis en pièce jointe, je crois que c'est sur la délibération numéro 3, les 4 tracés que j'ai fait parvenir à VGP et à Keolis pour examen, à savoir le tracé du 6 septembre, une variante de ce tracé. Le seul tracé disponible, mais dont vous avez connaissance depuis le mois de septembre dernier, qui est le tracé qui a été proposé par le collectif Kléber-Gattini, je veux saluer ici le travail qui a été fait, parce que c'est un travail qui a été fait en chambre, ils n'avaient pas plus d'informations que des citoyens ordinaires, donc ils ont fait l'effort de coucher sur le papier une proposition. Cette proposition réglait un certain nombre de problèmes. On va le dire très clairement, donc il y avait une prise en compte d'un certain nombre de remarques qui avaient été remontées par d'autres collectifs. La difficulté, c'est qu'il en crée à peu près autant, et notamment deux. Le premier, c'est que la proposition de tracé fait passer des bus dans des rues qui n'en ont jamais vu, qui sont assez voisines de toutes les rues qui se sont manifestées depuis maintenant 9 mois, donc il y a peu de chances que ces riverains nous saute au cou en disant « Youpi, on attendait ces bus depuis très longtemps, merci ». On risque fort d'avoir à peu près la même réaction que dans toutes les rues qui ont vu arriver des bus, donc, sauf à ce que vous m'indiquiez que tous les habitants de l'avenue de Rocancourt seraient fous de joie de voir des bus passer, mais je n'en suis pas complètement sûr. Et l'autre élément plus compliqué, beaucoup plus compliqué, c'est que le tracé de la ligne 1 passerait devant l'école Perrault. C'est-à-dire un endroit, c'est une école maternelle, un endroit très compliqué en termes de gestion de flux le matin et le soir, sur une portion qui est étroite. Alors, il n'y a rien d'impossible techniquement, mais dans le laps de temps qui nous était imparti, faire de la concertation avec les riverains, les parents d'élèves, se lancer dans des aménagements techniques pour lesquels je ne vois pas quelles étaient les solutions simples qui permettaient de préserver des conditions de circulation de bus fréquentes et un accueil des parents et des enfants. Et je rappelle que c'est une maternelle, donc c'est quand même plus compliqué. On ne peut pas laisser les enfants descendre de leur voiture seule et rejoindre. On n'est pas au collège ou au lycée. Au collège ou au lycée, même si ce n'est pas extraordinaire, il y a une forme d'autonomie des enfants qu'on n'aurait pas là. Donc, ce tracé génère au moins autant de problèmes, et notamment des problèmes de sécurité, que ceux existants. Voilà, je souhaitais qu'il soit examiné, j'y avais moi porté un regard. Ayant porté ce regard, j'ai quand même pris la peine de proposer une variante à ce tracé, pour ne pas avoir à gérer ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le tracé de l'avenue de Rocancourt et le passage devant l'école, je l'ai effacé, et j'ai proposé une circulation par une des rues du secteur, qui avait déjà eu par le passé, c'est-à-dire dans le réseau précédent, de la circulation de bus, je pense à la rue Julien Poupinet, qui, vous le saviez, accueillait la ligne S dans le sens. Donc c'est une rue qui était habituée à voir passer des bus, vous en connaissez les caractéristiques, mais on pouvait imaginer un moment faire passer le bus à cet endroit-là. Mais ça élargissait encore l'empattement entre le sens aller-retour, et c'est un des sujets bloquants pour l'opérateur. Il nous l'avait dit lors de la refonte du réseau, que d'un point de vue lecture client, c'est quand même beaucoup mieux quand les bus passent dans la même rue dans les deux sens. C'était ce qui avait présidé à l'élaboration du réseau. C'est vrai que le tracé du 6 septembre déroge puisqu'on revient à un léger empattement sur le parcours Kléber-Gattini, parcours historique, mais à un moment, compte tenu des points d'entrée, des points de sortie entre la ville du Général Concours et celle de Versailles, et compte tenu de la réalité de notre urbanisme, et de la nécessité quand même de desservir l'ensemble des quartiers avec ces lignes de bus, il y a parfois des contraintes sur lesquelles on ne peut pas contourner. Donc voilà, en complément, j'ai dit lors du précédent conseil, portez à votre connaissance. Les retours de VGP et de Keolis, je vous les ai donnés, et on en revient donc à une question assez binaire, soit on maintient le tracé actuel avec des défauts structurants, soit on met en œuvre le tracé sur lequel l'ensemble des parties prenantes s'est mis d'accord il y a maintenant bientôt 10 mois, et vous savez comme moi que c'est compliqué de mettre d'accord l'ensemble des parties prenantes. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux locaux liés aux relations avec les riverains, et il y a des enjeux financiers. C'est là aussi la responsabilité de l'Île-de-France Mobilité d'avoir la maîtrise du coût
de l'exploitation d'un réseau de bus. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous. Maintenant, la parole, et je crois que les sujets techniques sont résolus. Donc, Madame Bigère, je crois que c'est vous qui, ou Monsieur Briot, qui pouvez présenter vos éléments complémentaires. Merci. Alors, nous proposons que différentes personnes interviennent suite à ce conseil que nous avons sollicité conformément à l'ordonnance du 1er avril qui donne effectivement les moyens de réduire les commissions ou autres, mais qui, en réduisant, donne malgré tout la parole à celles et ceux qui le souhaiteraient lorsqu'elles ne l'ont pas. C'est la raison de cette saisine. Et bien évidemment, vous avez été contraint de le faire et je vous en remercie. Donc nous allons avoir d'abord M. Gorce qui va intervenir, Mme Alquier, Mme Bilger et je conclurai. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais peut-être brièvement rappeler un petit peu la chronologie des changements qui sont intervenus. Tout d'abord, une réunion publique donc, qui a eu lieu à l'été 2019, donc organisée effectivement par la précédente équipe municipale. Elle avait permis à VGP et à Keolis de présenter le nouveau plan de circulation des bus au Chesnay-Courtois. Cette présentation, donc effectivement, n'avait pas soulevé de questions. Ensuite, donc, une lettre du maire avait été distribuée afin de permettre à chacun de mieux comprendre les modifications arrêtées et de connaître les évolutions qui devaient intervenir à partir du 26 août 2019. Une alerte au mois de juillet, la prise de connaissance de la lettre du maire provoque un fort émoi d'habitants de l'avenue de Basseux. Je suis alerté par un de ceux-ci. Le samedi suivant, nous échangeons, donc le maire et moi-même, avec trois habitants de l'avenue de Basseux. Le maire propose immédiatement que l'avenue de Basseux passe en totalité en sens unique afin de soulager les riverains des nuisances sonores. Il propose également qu'aucune station de bus ne soit bâtie ni qu'aucun arbre ne soit abattu. Une rapide discussion au sein de l'équipe majoritaire valide cette première décision. Il apparaît rapidement qu'il faut éviter toute irréversibilité des circuits de bus dans ces rues. Dans la foulée, il est proposé de modifier le tracé de la ligne 1 afin de privilégier l'avenue de Basseux plus large que la rue du Plateau Saint-Antoine pour le passage des bus et d'en libérer la rue du Plateau Saint-Antoine. Ces modifications sont retenues et seront mises en place. Le collectif du Plateau Saint-Antoine contacte en parallèle le président de VGP afin qu'une modification plus substantielle du tracé soit opérée. Devant la très forte pression exercée, VGP propose des modifications suivantes. La ligne 2 serait déviée à l'ouest sur la rue de Versailles. La ligne 1 serait déviée quant à elle vers le nord afin de passer par les rues Glatigny et Kléber. Cette proposition, une fois connue, enflamme les autres quartiers concernés. Réaction très forte de nouveaux collectifs regroupant les habitants des rues Glatigny et Kléber qui craignent la forte élévation du trafic. Réaction du secteur rue de Versailles, rue de la Selle, qui, quant à eux, perdent l'accès direct à la gare rive droite. Je laisse Nicolas Alquier poursuivre la relation de cette chronologie. Si vous me permettez, M. Gorce, avant de redonner la parole à Nicolas Alquier, je vais juste compléter parce que soit vous êtes frappé d'amnésie, soit vous avez décidé de raconter une version de l'histoire qui n'est pas tout à fait celle qui s'est passée. Puisque vous rappelez qu'il y a eu effectivement un document distribué à l'ensemble des administrés au début du mois de juillet, je rappelle que ce document, c'était le tracé d'origine, tracé arrêté par le maire précédent et dont l'un des sens de circulation passé par la rue du Plateau Saint-Antoine que vous avez soigneusement omis d'évoquer dans votre petit rappel chronologique. C'est quand même juste l'élément déclenchant. Nous n'avons jamais eu, mais peut-être l'aurons-nous aujourd'hui, l'explication donnée par Monsieur le maire de ce changement brutal de tracé de plan, parce que le plan validé par l'ensemble des parties prenantes n'a jamais été celui qui opère aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de le rappeler à l'Assemblée et aux gens qui nous écoutent. L'explication de ce changement, Philippe Briot ne l'a donné ni au conseil municipal ni au conseil communautaire et ça n'est pas faute que je le lui ai demandé. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas l'explication. Jamais les gens de l'avenue de Basseux n'ont exprimé les demandes que vous évoquez. Ils se sont retrouvés brutalement avec la ligne 1 dans les deux sens qui n'a jamais été prévue, sans aucune concertation, sans aucune explication. Donc je pense que quand on fait un effort de chronologie, et je vous remercie de l'avoir fait, il faut qu'il soit complet et que vous n'omettiez pas l'élément déclenchant qui fait que depuis 10 mois, nous sommes sur ce sujet de bus. Voilà, je donne la parole à Madame Alquier. Bon. Écoutez, Monsieur Le Père, vous parlez d'amnésie. Moi, je pense que les masques tombent quand même.
parce que où sont les belles promesses de démocratie participative ? Ce n'était que du vent, visiblement. Alors, parlant concertation, justement, je vais informer les membres du Conseil que suite à la proposition de VGP du 6 septembre 2019, à laquelle vous venez de faire référence... Ce n'est pas une proposition, Madame Alquier, c'est un accord que la mairie a signé. Oui, mais la vie continue, monsieur. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les accords signent la valeur, Madame Alquier. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Sinon, il fallait pas signer l'accord. Et là, je reprends. Donc, suite à cette proposition, nous avions organisé une réunion avec tous les collectifs représentant les habitants des quartiers concernés. Oui. Chaque collectif avait pu exprimer son point de vue en développant ses arguments et avait même fait des propositions. Vous parliez du collectif, de la proposition du collectif Kléber-Glatigny. Certains, d'ailleurs, étaient très virulents, voire agressifs, je dirais, mais beaucoup d'autres avaient aussi un esprit constructif et de dialogue. Après avoir écouté tout le monde vous n'avez rien fait. Et pris conscience collectivement des impacts sur les différents quartiers du Chesnay-Rocancourt, il est apparu que la solution la mieux adaptée, il n'y a pas de solution idéale, il y a des solutions mieux adaptées, était de rester sur le schéma du 26 août 2019 tout en cherchant à l'améliorer ensuite et en s'appuyant sur des données techniques d'une étude de circulation à lancer. C'est ça la vérité. Et cette solution... C'est votre vérité. Et cette solution faisait primer l'intérêt général d'un grand nombre d'habitants et non l'intérêt particulier de certains. Les avantages de ce tracé, qui était le résultat d'une étude de plus de 2 années menée par vous, d'ailleurs, monsieur Delpierre, je le rappelle, et peut-être que vous vous reniez aujourd'hui, qui étaient les suivants. Améliorer la sécurité en faisant passer les bus dans les avenues plus larges et sécurisées par des rideaux d'arbres, et non plus sur des voies secondaires étroites et dangereuses, comme les portions hautes des rues Kléber-Glatigny, mais il y en a d'autres, dont on sait depuis longtemps qu'elles ne sont pas adaptées. Les trottoirs sont trop étroits et il y a des fissures régulièrement dans les maisons. J'ose pas imaginer aujourd'hui, avec le nombre de bus des nouveaux tracés, ce que ça va donner. Ça permettait aussi de désengorger la circulation sur la place Laboulaye et la place de la Redingote. Ça, c'est clair que tout le monde peut le constater. Et de permettre surtout un accès aux gares, notamment la gare rive droite et au collège ou au lycée, aux deux pôles de population qui utilisent beaucoup le bus, que sont le quartier de la rue de Versailles et le quartier Glatigny, soit directement, soit par l'interconnexion des lignes 1 et 2 place de la Loi. Il est très dommageable de perdre cette interconnexion. Votre tentative de passer en force, monsieur le maire, en décidant seul, au mépris du bon sens en termes de sécurité et sans concertation aucune, est pour moi inacceptable. Les habitants vous demandent une véritable concertation et une répartition des bus équitable, raisonnée et adaptée aux infrastructures des différents quartiers de la ville. Merci. Je vais me permettre d'apporter quelques éléments de réponse. Donc j'entends, et c'est bien parce que je crois que c'est la première fois en 10 mois que vous apportez une position claire, donc vous annoncez que vous demandez le maintien du tracé actuel. C'est ce que j'ai compris, Madame Alquier. Tracé donc qui fait que dans la rue du Général Leclerc, 750 bus par jour vont rester durablement. Donc je vous invite à aller voir l'état de la chaussée de la rue du Général Leclerc aujourd'hui. Je suis très, très intéressé de vos remarques sur la fréquence, mais dans le tracé actuel, il y a une rue qui accueille 2 lignes structurantes plus 1 ligne secondaire. Voilà, c'est la réalité. C'est un défaut de conception. Alors j'en porte une partie de la responsabilité parce qu'il est un défaut originel et c'est un défaut que j'estime devoir impérativement corriger pour tous les sujets que vous évoquez, vibrations, fissures dans la maison et sécurité. Et aujourd'hui, je constate que vous ne le traitez pas, vous l'occultez soigneusement. Je rappelle, et je suis un peu surpris parce qu'il me semble que vous habitez toujours rue Glatigny, qu'une bonne partie de la rue Glatigny est très mécontente du tracé actuel et elle aussi réclame l'accès à rive droite. Donc le tracé du 6 septembre corrige un certain nombre des défauts originels. Vous semblez l'omettre dans la présentation que vous faites. Si, vous semblez l'omettre parce que voilà, vous m'expliquez qu'il y a des gens qui vont perdre. Attendez, je réponds. Il y a des gens qui vont perdre la desserte de rive droite, il y en a d'autres qui l'ont perdu. Je rappelle également à cette assemblée que dans le cahier des charges de la refonte du réseau, il n'a jamais été question d'amener l'ensemble des bus du Chesnay à rive droite. La gare de rive droite n'est pas la gare principale du réseau. La refonte du réseau, elle a été faite autour d'une amélioration sensible de la principale gare de Versailles, c'est-à-dire de la gare de Versailles-Chantier. C'était ça la commande. Il n'a jamais été question, ni dans le réseau précédent, ni dans le réseau actuel, parce que je rappelle que la ligne B n'a jamais desservi la gare de Versailles-Rive droite. Et donc, pour tous ceux qui, comme moi, prennent le bus depuis 20 ou 25 ans, eh bien, soit vous habitez près d'une ligne qui amène directement, soit
vous terminez pendant 5 minutes de marche à pied, parce que je rappelle que l'arrêt Berthier et l'arrêt Notre-Dame sont à 5 minutes à pied de la gare de Rive-Droite, vous terminez votre parcours à pied. Ou vous prenez une correspondance, si vous n'avez pas la possibilité de marcher à pied, le réseau du 6 septembre permettra d'assurer des correspondances. Donc je voulais apporter ces éléments complémentaires, parce que vous avez à minima une version parcellaire de l'histoire. Si vous le permettez, je vais continuer pour notre groupe. Tout d'abord, bonjour à tous. J'ai effectivement prévu une présentation parce qu'il me semblait intéressant tout simplement que pour ceux qui sont un petit peu moins familiarisés que certains d'entre nous sur les tracés de bus, de pouvoir exactement comprendre de quoi on parle. Alors, j'ai entendu effectivement les uns et les autres. C'est un dossier qu'effectivement je suis depuis maintenant 10 mois, comme l'a dit Monsieur le maire, dans lequel j'ai été propulsée un peu brutalement, je ne vous le cache pas. J'ai découvert un certain nombre effectivement de choses sur ce tracé. Je voulais simplement essayer de mettre un peu les choses en perspective aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment que l'on est dans une bataille entre ce qui a été fait par l'équipe précédente et ce qui va être fait aujourd'hui par l'équipe en place. Et ça me semble simplement dommageable pour les Chesnay-Courtois. Nous avons fait des erreurs en tant qu'équipe majoritaire il y a un an, nous l'avons dit un certain nombre de fois, et je peux le redire aujourd'hui. Mais le fait est que le tracé qui a été mis en place le 26 août était un tracé provisoire qui avait ses faiblesses et ses forces sur lequel nous souhaitions pouvoir travailler. Le fait est, est-ce que ça vous ennuie de pouvoir passer le tracé juste pour que peut-être pour les uns et les autres ce soit plus compréhensible ? À ce moment-là, vous indiquez à Madame Lebouc si le visuel correspond à ce que vous voulez. Donc je continue juste sur le préambule. Donc effectivement, ce tracé était provisoire et avait vraiment pour vocation de ne pas être irréversible. François de Mazières et ses équipes ont bien entendu les remarques des différents collectifs, notamment effectivement celui du Plateau Saint-Antoine. Il a effectivement proposé une solution qui a fait l'objet d'un communiqué de presse le 6 septembre. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté et vous avez tout à fait raison sur le sujet. Par contre, il n'y a jamais eu de signature écrite. Il y a eu un communiqué de presse expliquant que ce tracé allait être envisagé, c'est tout à fait vrai, pour le 4 novembre. À l'issue de ce communiqué de presse, et vous le savez tout à fait, il y a eu un certain nombre de réactions de collectifs. Alors, Madame Alki a beaucoup parlé, effectivement, du collectif Kléber-Glatigny, mais il y a eu d'autres réactions, notamment celle de la rue de Versailles, parce que si, effectivement, l'ambition des deux lignes structurantes n'était pas d'aller forcément à la gare Rive-Droite, le fait est que les habitants de tout ce quartier-là on récupérait pour la première fois un accès direct à la gare Rive-Droite, et pas seulement, parce qu'on parle toujours de la connexion vers Versailles, mais il y a également la connexion vers le centre commercial, vers le collège, et qui est notamment extrêmement pratique, non seulement pour les plus jeunes, mais également pour les plus âgés. Donc, tout ce secteur s'est effectivement ému de ne pas pouvoir de perdre ces nouvelles interconnexions. Effectivement, par le passé, elles n'existaient pas, vous avez raison. Mais notre rôle en tant qu'élu n'est-il pas d'essayer de faire avancer les choses? Sinon, on s'en sortira jamais. Bon. Donc, en conséquence, nous avons décidé que le tracé du 4 novembre ne pouvait pas être mis en place. Nous en avons informé par la voix de Philippe Briot, notre maire, tout à fait normalement et légalement, François de Mazières, par des courtiers, bien entendu, auxquels vous avez eu accès, pour lui expliquer notre démarche, qui était celle de mettre en place une analyse de circulation, de valider et d'attendre la mise en place d'un nouvel arrêt sur la ligne 5 qui permettait effectivement de retrouver l'accès à la gare Rive-Droite pour les habitants de ce quartier, mais avec, vous le savez très bien, une fréquence bien moindre,
puisque en moyenne c'est tous les quarts d'heure et non plus toutes les cinq minutes, mais c'était effectivement quelque chose qui était indispensable. Et la troisième chose, c'était de pouvoir pardon, j'ai un petit peu perdu parce que j'avais préparé une présentation. Donc la troisième chose était effectivement de d'avoir réuni les collectifs et d'étudier les tracés alternatifs dont vous avez parlé et sur lequel bon, qui ont été étudiés effectivement par Keolis, par VGP, et nous avons tout à fait partagé ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur ces tracés, d'autant plus que commercialement, Keolis ne pouvait admettre effectivement des arrêts différenciés à la montée et à la descente. Donc, nous sommes tous d'accord d'un point de vue politique et de ce qui est notre rôle d'élu, et je crois qu'il ne faut pas que nous l'oublions, qu'aucun tracé ne satisfait à l'intérêt général. Donc notre rôle aujourd'hui est quoi? En tout cas, ce que je conçois comme mon rôle aujourd'hui, il est bien d'essayer de trouver une solution qui satisfait le plus grand nombre. Parce qu'on parle des riverains, et j'entends tout à fait les problématiques du plateau Saint-Antoine, je crois que je l'ai également dit et redit. 600 bus jour, avenue de Basseux et avenue du Général Leclerc. Il y a juste un secteur qu'on a totalement oublié, c'est le secteur Pelin-Mouxoury. Je me permets quand même de le rappeler, parce que là, on n'est pas à 600 bus jour, on est à 800 bus jour. Il n'y a pas eu de collectif, parce que ce sont des personnes qui ont entendu qu'ils avaient, un, des bus extrêmement pratiques au pied de chez eux. Ce sont une population qui travaille, qui a des enfants qui vont à l'école, et qui ont accepté momentanément les nuisances en attendant que les bus deviennent plus silencieux et plus propres. C'est une réalité. Donc, je veux bien qu'on oppose, et c'est certainement pas le débat aujourd'hui, des quartiers. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire et ce qu'on fait depuis 10 mois, et je trouve ça extrêmement dommageable. Donc, la raison pour laquelle nous n'avons pas entériné, et j'en assume l'entière responsabilité avec, bien sûr, l'équipe majoritaire à l'époque, c'est simplement parce que cette situation n'était pas satisfaisante pour les riverains et les usagers. Et je continue à effectivement avoir cette impression et ce sentiment de façon extrêmement factuelle. Donc je m'arrête là, vous avez compris ma position là-dessus. Maintenant j'ai entendu la vôtre et j'ai quelques questions donc complémentaires effectivement aux aménagements que vous envisagez. Je me permets simplement de reprendre ce que vous nous avez mis dans votre présentation. Vous nous dites que le tracé validé le 6 septembre est le seul répondant aux corrections nécessaires. J'avoue que cette phrase m'a franchement interpellée et dans la lignée de ce que je viens d'évoquer. Les corrections nécessaires pour qui? Et je le redis, il n'est aucunement question de stigmatiser tel ou tel quartier. Effectivement, correction pour les habitants du plateau Saint-Antoine et de certains habitants, puisque je rappelle quand même que les usagers du plateau Saint-Antoine perdent totalement la connexion rapide à la gare rive droite. Donc, les riverains du plateau Saint-Antoine et les usagers de Kléber, de Glatigny-Ouest, qui effectivement récupèrent des connexions rapides. Par contre, ceci se fait bien au détriment des riverains de Kléber, Glatigny-Est et des usagers de tout le sud de la rue de Versailles, sans oublier le secteur du plateau dont j'ai parlé. Donc en termes de correction nécessaire, nous n'avons pas la même interprétation. Concernant effectivement les aménagements et les réponses que vous avez apportées, j'aurai quelques questions complémentaires si vous le permettez. Rue Louis-Pelin. Effectivement, pendant 10 mois, nous avons rencontré le collectif de la rue Pelin, je pense à peu près 6 ou 7 fois, et étudié tout ce qui était possible et imaginable en termes de visibilité, de ralentisseurs, de déplacement de quai, avec toutes les parties prenantes. Nous avons abouti à une solution donc au mois de février, qui était un déplacement de quai en bas de la rue Louis-Pelin. Donc ma question est simple aujourd'hui pour le collectif de la rue Pelin. Envisagez-vous ce déplacement ou non? Ça, c'est ma première question.
La deuxième question, rue Charles de Gaulle, j'ai bien compris que vous souhaitez réaménager et mettre aux normes les quais de régulation. Je me permets juste de rappeler qu'aujourd'hui, il y a 10 lignes dans le même secteur et que tout l'intérêt de la station du Tartre était bien de désenclaver ce secteur et par ailleurs de permettre un arrêt supplémentaire de la ligne 1 qui permettait effectivement à toutes les résidences de Paris 2 environnantes de bénéficier d'un accès plus rapide à cette ligne structurante. Le troisième point, donc le quai Redingote. Vous nous avez dit que nous aurions eu tout le temps de l'étudier. Vous avez compris que nous ne l'avons pas étudié puisque nous n'avions pas validé le tracé du 4 novembre, mais que par contre, nous avions bien évidemment commencé à regarder tout cela, que ça nous paraissait extrêmement compliqué pour les riverains, puisque j'ai bien vu l'emplacement que vous évoquez. Donc nous allons avoir un arrêt de bus devant des maisons qui vont par ailleurs avoir deux lignes structurantes brutalement devant chez elles. Ça c'est le troisième point. Enfin, concernant les dispositifs de circulation, j'entends bien un plan de circulation et une étude de circulation que vous allez mettre en route, et j'entends bien également, et c'est tout à fait logique, que vous avez besoin pour cela d'avoir des tracés de bus entérinés et fixés. C'est évidemment totalement logique. Mais par contre, il y a des choses qui me paraissent intéressantes d'anticiper avant. L'avenue de Gaulle, avec des quais de régulation et 10 lignes de bus, plus le rond-point de Marly, quand on voit la situation actuelle qui est déjà très compliquée, le rond-point de la Redingote, avec simplement un problème de giration de bus, le tourne à droite qui est devant le Liban me pose question. Quant à la place La Boulée, on n'est plus sur le Chesnay, mais je pense quand même qu'on peut penser au temps que vont mettre les usagers pour se rendre désormais aux gares. Vous savez très bien que la place La Boulée est aujourd'hui saturée déjà en bus, notamment scolaire, et que Keolis l'avait dit, il a écrit, le temps de parcours, de toute façon, va être rallongé pour les usagers. Enfin, rue Kléber et Glatigny, vous avez évoqué la zone 30, ce qui est effectivement une solution tout à fait pertinente. Par contre, en ce qui concerne les vibrations, vous savez très bien que ça ne peut passer que par une refonte en profondeur de la chaussée, comme cela aurait dû être le cas, et cela doit être le cas, si nous maintenons le tracé sur la rue, les avenues de Basseux et Kléber, ce sont, je ne sais pas, 5 cm ou 10 cm de couche de roulement, c'est bien une refonte en profondeur des réseaux qu'il faut envisager. Bon, enfin, sur l'avenue de Basseux, on a bien entendu que vous allez appliquer un arrêté très rapidement sur la remise en double sens. Nous avons entendu un certain nombre d'habitants et de riverains qui étaient contents de ce sens unique. Avez-vous consulté également ces habitants? Voilà. Et enfin, ma dernière question, qui là me semble quand même également le cœur du problème, nous n'avons à aucun moment parlé des fréquences. Alors, je ne vais pas revenir, vous le connaissez largement aussi bien que moi, sur les raisons qui ont amené effectivement Île-de-France Mobilité à refondre ce réseau et les fréquences. Bien entendu, l'idée d'avoir des fréquences plus rapides, des amplitudes plus rapides, etc., on est tout à fait d'accord. Par contre, il était convenu, avec toutes les parties, de faire un point un an après l'exploitation, puisqu'il est très clair, on ne peut pas l'ignorer, que même si on veut faciliter les évolutions de comportement, et qu'il faut attendre un certain temps, au bout de 12 mois, alors je sais que vous allez me répondre, à juste titre, qu'il y a eu le Covid, et donc des évolutions, un retard dans la mise en place de différents comportements, mais le fait est qu'on ne va pas pouvoir se dédouaner d'une vraie question sur les fréquences, et que c'est aussi le cœur du sujet, parce qu'on parle beaucoup de 600 bus, de 800 bus, donc là on n'est pas sur un problématique de tracé, mais bien de fréquence. Donc ma question est également, quand vont être analysées ces fréquences, et c'est la raison pour laquelle il me semble prématuré, même si j'entends bien évidemment qu'un changement de tracé se fait à une rentrée scolaire, à une rentrée de vacances, c'est la logique. C'est la deuxième raison pour dire qu'il me semble prématuré de figer aujourd'hui un tel tracé avant l'étude des fréquences. J'en ai fini ici avec mes questions.
Je vous remercie. Madame Chevrier. Merci, Madame Chevrier. Je vous laisse partir. Vous avez laissé un pouvoir. Ok. Madame Alquier également. Vous avez laissé un pouvoir, Madame Alquier. Ok. Merci. Merci de votre présence à toutes les deux. Quelques éléments de réponse, alors pas sur tous les sujets. Merci en tout cas d'une présentation posée et dont je partage le contenu. Sur les sujets d'aménagement, je vais revenir sur Redingote, qui est l'un des sujets techniquement les plus compliqués. C'est pas moi qui ai signé l'accord du 6 septembre, parce qu'il y a eu peut-être pas une signature formelle, mais un engagement. L'emplacement de la Redingote, il a fait l'objet d'un accord de l'ensemble des parties. Et même si vous indiquez aujourd'hui que le tracé dit du 8 septembre était provisoire, il me semble, alors j'ai pas bien compris ce que Madame Alquier a dit, mais elle avait une approche un peu plus définitive du tracé du 26 août. Donc, nous, en tout cas, on considère que cette étude aurait dû être faite. On l'a fait aujourd'hui. Elle est compliquée, mais elle n'est pas insoluble. Voilà. Et donc, si vous vous étiez tous mis d'accord sur cet emplacement, c'était pas non plus par hasard. Il y avait plusieurs options possibles. On a pris le temps de les réexaminer avec VGP, avec Eolis, avec Île-de-France Mobilité. Et on s'est arrêté sur une solution qui est, un peu complexe, mais pas insoluble. Et je pense qu'on arrivera, à la résoudre. Sur le tracé Lupelin, on a encore aujourd'hui des attentes en termes d'études de visibilité de la sortie. Nous avons resollicité un GEROP avec lequel vous avez travaillé sur la mandature précédente. On est toujours sur des options de déplacement de quai, pas encore complètement arrêté. Il y aura du déplacement de quai pour, en gros, améliorer la visibilité de la sortie de la résidence, mais c'est un sujet que vous connaissez. Et sur la finalisation du choix de l'emplacement des toilettes. Mais voilà, nous avons repris, et je sais que vous avez passé du temps, beaucoup de temps avec ce collectif, nous continuerons à repasser du temps. Voilà, l'une des perspectives possibles, mais là je parle avec précaution, c'est qu'effectivement, on pourra peut-être à l'occasion de l'arrivée d'ACA avoir l'opportunité, parce que l'arrivée d'ACA va modifier un peu la donne en termes de déplacement dans le secteur, de rediscuter avec Île-de-France Mobilité sur d'éventuelles modifications de terminus et peut-être de pouvoir apaiser ce secteur de notre commune par rapport au problème du stationnement du terminus de la ligne 1. Sur le sujet des fréquences et des amplitudes, parce que je crois qu'il y a deux sujets, vous évoquez le sujet des fréquences, effectivement il était prévu qu'on ait un rendez-vous un an après, bien évidemment l'année n'est pas significative en termes de circulation, même si vous le savez, à la demande d'Île-de-France Mobilité, le plan transport a été intégralement maintenu. Donc pour ce qui concerne les nuisances des riverains, ils voient passer effectivement les bus comme si nous étions sur un plan de transport normal, et le soir, ils les voient passer vides. Donc ça exacerbe sans doute, et je le comprends, le fait de voir passer des bus vides. Mais effectivement, nous savons qu'il y a, on va dire, un impact Covid. Le choix politique, et je comprends parfaitement la décision de la présidente de région de maintenir un plan de transport normal, d'une part parce que ça permettait la desserte de l'hôpital, ce qui était très important pour les soignants, et puis que quand on a vu arriver les règles de distanciation sociale à bord des bus, il fallait accepter que des bus roulent vides pour que les gens qui le prennent ne soient pas collés les uns aux autres. Néanmoins, il y a un sujet effectivement sur l'examen de la fréquence, notamment en fin de journée, parce que la partie sensible pour moi, pour les riverains, je l'entends surtout sur un sujet d'amplitude. Je rappelle que le choix politique qui a été fait par Île-de-France Mobilité, parce que c'est vraiment un choix régional, de dire qu'à un moment, si on veut augmenter l'attractivité du transport public, il faut que les bus soient en correspondance des trains pour que les gens puissent partir et revenir, et que c'était quand même un des freins à l'utilisation des transports publics. Le corollaire de ça, c'est que comme les trains roulent jusqu'à 1h du matin, il faut qu'on assure des correspondances jusqu'au dernier train. Après, faudra-t-il adopter les fréquences à partir de 21h jusqu'à minuit pour alléger le plan de transport si, de fait, effectivement, en situation normale, c'est-à-dire en période Covid, et on a quand même malgré tout 6 mois d'historique, hein, donc on a un peu de matériaux pour rediscuter avec Eolis, pour éventuellement apaiser, enfin atténuer les nuisances en fin de soirée et en début de nuit, je crois pas. L'autre élément, vous l'avez évoqué, c'est la possibilité de basculer sur du parc électrique dans un horizon de temps relativement raisonnable. Alors, on est dans du relatif puisqu'on parle d'un horizon 2023, mais c'est une volonté forte du président de VGP, qui a aussi des sujets de nuisance dans ces rues à Versailles, d'inciter Île-de-France Mobilité à nous accompagner sur la bascule en électrique des deux lignes structurantes, les lignes 1 et 2, qui vont nous intéresser bien évidemment, et qui permettront là aussi de réduire la pollution sonore des bus, puisque nous avons un parc thermique et pas forcément le mieux isolé en termes de bruit de l'Île-de-France. Donc nous allons évidemment nous y atteler très rapidement. Mais ce ne sont pas des solutions qui vont être mises en œuvre dans les semaines qui viennent. On sait qu'il y a un peu d'inertie, il va falloir équiper le dépôt des mortes même de manière provisoire, en installation permettant de retenir du bus électrique.
il va falloir qu'Île-de-France Mobilité accepte de financer 50 bus. Un bus électrique, je le rappelle, coûte 3 fois plus cher qu'un bus thermique, donc ce n'est pas non plus une décision anodine. Ce sont à la fin nos impôts, hein, même si c'est la région qui l'élève, il y a quand même une responsabilité financière sur ces sujets. Donc, sur le sujet du secteur de Paris 2, on en a parlé lors du dernier conseil, le fait de réguler les bus le long de la paire ne va ni améliorer ni dégrader la circulation des bus dans ce secteur. Elle est historiquement compliquée. Je rappelle simplement qu'à un moment, dans les éléments d'attractivité d'un réseau, il y a les points de correspondance. Si vous, sur le papier, vous vendez une correspondance et que dans les faits, les arrêts de bus sont éparpillés sur 500 ou 600 mètres, ce qui aurait été le cas dans la mise en œuvre de la gare routière telle qu'elle était imaginée. On avait une gare routière qui était complètement de l'autre côté du centre commercial et l'essentiel des arrêts qui était côté avenue Marly-Leroy. Dans la pratique, les gens ne font pas 500 mètres à pied pour la correspondance. Donc soit vous leur offrez une correspondance quasiment caquée, vous acceptez d'avoir une circulation assez dense et vous prenez le risque de temps en temps d'avoir 3 ou 4 bus au même endroit, nous le savons. Voilà, ça arrivera à certains moments quand les tours sont dérégulés. Soit vous éparpillez les arrêts dans un périmètre de 500 ou 600 mètres et de fait, vous perdez beaucoup en attractivité du point de correspondance du réseau. Et nous savons que Paris 2 est un point important de correspondance du réseau. Donc moi, je pense que le choix de faire réguler les bus le long de la paire ne dégradera en tout cas pas la circulation dans le secteur. Ça reste un sujet de vigilance et nous allons, je l'ai dit hier, investir pour mettre de la vidéosurveillance et superviser ce secteur extrêmement sensible de la ville en termes de mobilité, qu'elle soit d'ailleurs routière, piétonne, etc. Aujourd'hui, c'est à la fois une entrée de ville et un endroit extrêmement sensible sur lequel les incivilités sont nombreuses. Et je pense que l'apport de la vidéosurveillance sera utile pour permettre d'intervenir et de réguler dans le secteur. Sinon, je ne vais pas revenir sur les avantages et les inconvénients des différents tracés. Vous l'avez évoqué, mais on sait que chaque tracé va apporter des satisfactions et des insatisfactions à une partie de nos administrés. Vous l'avez très justement évoqué, il y a des gens qui voient les bus comme des nuisances et il y a des gens qui voient les bus comme un facteur d'attractivité. Voilà, dans tous les quartiers, nous avons ça. Et parfois, dans des rues, je pense à la rue de Latigny, suivant que vous vous positionnez en haut ou en bas de la rue, vous n'avez pas le même regard sur les bus. Voilà. Donc, je suis plutôt de ceux qui pensent que le bus est un plus pour le quartier. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je suis parti plutôt de ces gens qui en acceptent les nuisances parce qu'à un moment, c'est un facteur de mobilité. Voilà, je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de nos administrés qui voient essentiellement le bus comme une nuisance. Il faut qu'on l'accepte tous. Mais à un moment, la fonction du politique, c'est aussi de faire des choix. Ça fait presque un an que le nouveau réseau a été déployé. Il y a eu des temps d'échange, de concertation. S'il y avait eu un tracé qui fasse consensus, je pense que vous l'auriez vu comme moi, vous l'auriez sans doute porté parce que vous auriez eu intérêt. Je constate qu'entre le mois de septembre, date à laquelle vous l'avez rappelé, l'ensemble des parties prenantes ont été réunies, se sont exprimées. J'ai pas vu sortir d'autres propositions de tracé que le tracé Kléber-Gatigny, qui est intéressant, mais qui est la vue d'une petite partie de notre commune sur ce réseau. Et je rappelle que ce ne sont pas les riverains qui ont légitimité à définir le réseau, parce que sinon on aurait 58 plans de tracé et on serait guère plus avancé. Moi, ma conviction, c'est que même en laissant du temps au temps, on ne va pas avoir beaucoup d'autres solutions qu'un arbitrage à faire. Et qu'à un moment, le rôle des politiques, de vous, de moi, c'est de procéder à des arbitrages. Et je crois que le temps des arbitrages est venu. C'est un temps qui est parfois un peu compliqué, c'est un temps qui nécessite de la pédagogie. Je veux bien entendre tous les reproches sur la démocratie participative, mais à un moment, il y a des sujets qui sont sur la table depuis longtemps, qui ne sont pas des sujets exclusivement communaux. Je rappelle que la refonte du réseau, c'est un sujet intercommunal, c'est un sujet très engageant financièrement, qui engage également la région. Donc la ville n'est qu'un petit acteur, un acteur intéressé par une partie du réseau qui peut être force de proposition si les autorités organisatrices acceptent de nous écouter. Elles le font sur cette séquence et je les en remercie, mais je ne suis pas l'autorité organisatrice, je l'ai suffisamment dit pendant des mois au conseil, c'est pas le maire qui est l'autorité organisatrice, on peut être force de proposition. Mais à un moment, on est là pour trancher, ou en tout cas pour aider ceux qui sont dépositaires de l'autorité, en l'occurrence Île-de-France Mobilité, à prendre position. Le tracé du 6 septembre, j'entends que voilà, vous ne lui accordez pas la même importance que moi, mais il a valeur parce que vous vous êtes tous mis d'accord. Île-de-France Mobilité, VGP, Keolis et la ville. Il y a eu un accord, il y a eu un communiqué de presse, il y a même eu un communiqué de presse de la ville. Donc à un moment, on n'a pas glissé sur la feuille en disant on est OK là-dessus. Il était pas parfait, il tenait compte d'un certain nombre des éléments. Voilà, mais si on se dit que pendant 1 an, 2 ans, on va faire le tour de tous les quartiers de la ville, on va se retrouver avec 18 tracés et on sera guère plus avancé. Et à un moment, il faudra trancher. Donc moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que si vous aviez à trancher, vous garderiez le tracé actuel. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des propos de Mme Alquet, mais peut-être l'ai-je mal interprété. Arrivé à un stade où je pense qu'il faut trancher, moi, je reviens vers le tracé qui avait fait un moment consensus et qui avait l'autre élément
avantageux pour moi, de pouvoir, du moins en théorie, être mis en œuvre en 2 mois, puisque je rappelle que quand ce tracé est annoncé par voie de presse, sa mise en œuvre est annoncée pour 2 mois après. Et moi, le facteur temps est important, vous l'avez compris, parce qu'effectivement, je veux stabiliser ce réseau de bus pour pouvoir travailler sur d'autres sujets de mobilité. Avoir un tracé qui a fait consensus et qui est normalement, de l'avis général des partis, réalisable en moins de 2 mois, oui, ça a de la valeur. Et quand je suis élu mais confiné, je me dis à un moment, le jour où on va nous déconfiner, on va avoir ce sujet à traiter, j'aurai un laps de temps assez court. Ce tracé existe, il n'est pas parfait, mais il est validé, et en théorie, il peut être mis en œuvre en 2 mois. Vous comprendrez que vu de ma fenêtre, à un moment, ce tracé a de la valeur. Pour autant, je prends la peine et je prends le temps de faire examiner les tracés alternatifs qui existent, pour ne pas me voir reprocher, vous avez caché, etc. Non, j'ai porté un regard. Mais je suis pas un expert mondial des transports urbains. Donc j'ai porté un regard sur ce projet de tracé. Je voulais le challenger avec d'autres parties prenantes qui pouvaient avoir un regard plus affûté et pour me faire confirmer ou me faire infirmer la faisabilité en temps, en argent et en acceptabilité des tracés alternatifs. Donc voilà, j'essaie d'être aussi transparent que possible. Je prétends pas détenir la vérité, mais je crois qu'on arrive à un moment de ce dossier où il faut trancher. Parce que donner du temps au temps, si on a pas de choses à concerter ou à partager, c'est compliqué. Et j'ai la faiblesse de penser, puisque vous avez reçu les parties prenantes au mois de septembre, qu'entre septembre et mars, vous aviez le temps soit de faire la synthèse et de nous proposer le meilleur de tout ce qui avait été proposé, soit d'élaborer une offre alternative que vous auriez pu soumettre aux parties prenantes. Je ne les ai pas vues. Voilà. Donc, je ne vous en fais pas reproche, mais je dis qu'à un moment, on est avec un tracé de fait dont vous savez les reproches que je lui fais sur le fond et sur la forme, parce qu'aujourd'hui, il y a des défauts d'origine du tracé qui ne sont pas corrigés, et des défauts extrêmement importants, qu'à un moment, je pense que dans la manière dont ceux qui étaient autour de la table au mois d'août 2019, et je n'en ai pas parti, ont regardé la redistribution des lignes, ils l'ont sans doute regardé avec un prisme, limitation des nuisances et répartition des trafics, c'est un choix, je ne porte pas de jugement, etc., mais il y a forcément eu une grille de lecture qui a amené ceux qui étaient autour de la table à se dire, on corrige ce qui peut être corrigé, on essaie d'écouter ceux qui se sont exprimés à ce moment-là, et là où je diverge un tout petit peu avec vous, c'est quand même qu'à la fin, mon ambition, c'est que le tracé arrêté serve au maximum l'intérêt général. Et je rappelle enfin que quand on est un usager des transports publics, des transports en commun, et pour ceux qui vont à Paris, la marche à pied fait partie de la combinaison de l'offre. Il y a des correspondances de métro à Paris, vous marchez pendant 10 minutes et ça ne gêne personne. Voilà, quand vous êtes à Montparnasse, sur le plan du métro, c'est tous les mêmes arrêts. Pour tous ceux qui ont été à Montparnasse, entre la ligne 4 et la ligne 6, il y a 10 minutes de marche à pied. Et quand vous arrivez en TGV, il y a 10 minutes depuis le quai pour aller chercher la station de la ligne 4. Voilà, donc il faut aussi repartager, refaire de la pédagogie pour nos usagers. Les gens qui avaient la ligne 1 et qui demain auront la ligne 2, vont pouvoir quand même aller à la rive droite en marchant un tout petit peu à la fin. On n'est pas, faut pas non plus qu'on caricature. Et ceux qui n'ont vraiment pas envie de marcher ou pas la possibilité de marcher auront des points de correspondance qui leur permettront, certes, en attendant parfois un peu, mais une desserte au quart d'heure, c'est pas ridicule. Hein. Je rappelle que dans le réseau précédent, on avait des dessertes à la demi-heure. Une desserte au quart d'heure, c'est dans le monde urbain, c'est quand même une desserte correcte. Hein. On pourra quand même aller à rive droite de quasiment tous les points du Chenet, parfois au prix d'une correspondance, mais comme c'était le cas sur l'ancien réseau. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Monsieur Briot. Merci, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, je vous ai écouté avec attention, parce que effectivement, le transport en commun est un vrai sujet et conscient de cela, avec toute l'équipe en 2014, nous vous avions confié à vous ce dossier puisque vous nous représentiez à Versailles Grand Parc, qui est, je le rappelle, l'instance qui interface entre les communes et Île-de-France Mobilité. C'est donc Versailles Grand Parc qui a la compétence de proposer les projets Île-de-France avec la coordination des communes concernées. Et c'est vous qui, jusqu'en 2019, aviez cette mission. Et même si on en travaillait ensemble, c'est vous qui nous représentiez. Je voulais quand même le rappeler, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, votre mission, puisque c'est vous qui êtes à la tête de la ville pour le moment, c'est de pouvoir faire une synthèse sur le réseau de bus, ce qui était prévu. Nous avions bien dit qu'un an après la mise en œuvre, il faudrait faire un point sur les fréquences, un point sur les tracés. Ceci est tout à fait légitime et vous êtes dans votre rôle avec l'ensemble de l'équipe et avec l'ensemble du conseil. Donc là-dessus, nous sommes tout à fait favorables et vous avez prévu en septembre de faire ce qu'on appelle un plan de déplacement urbain. Très bien, bravo, mais il faut y inclure dedans le réseau. Alors, je comprends que votre urgence affichée est en rapport quelque part
avec un peu une dette électorale à satisfaire, elle est évidente. D'ailleurs, je constate que la déléguée au déplacement n'est pas là aujourd'hui, elle doit avoir un empêchement. Je crois me souvenir qu'elle connaît bien le dossier puisqu'elle habite avenue du Général Leclerc. Alors, par rapport à ces changements, vous avez quatre secteurs. Vous les avez donnés. Secteur Pelin, Marly, Charles de Gaulle, 186. 12 millions de personnes viennent au centre commercial par an, soit 1 million par mois. Nous constatons tous les jours, le soir, les week-ends, surtout le samedi, l'impossibilité, à partir du rond-point du 18 juin et de la rue Moxoris, de sortir sur la 186, de rejoindre la rue. Là, il y a un vrai sujet, vous le savez. Il y avait des projets, des réflexions. Nous ne pouvons pas conserver cela. Et si votre majorité, pour le moment, souhaite ne pas figer la station du Tarte, c'est un choix politique. Ça m'est arrivé quand je suis arrivé aussi à la gestion de cette commune. Faut-il encore prouver des alternatives et des études de circulation? Donc, nous disons aujourd'hui, si vous ne voulez pas faire la station du Tartre, qui me paraît quand même importante, vu les milliers de personnes qui travaillent au centre, qui travaillent à la clinique, avec la clinique qui va récupérer tout l'ambulatoire de la Mai, c'est des gens qui passent par la rue Jean-Louis Forain et qui contournent tout le reste. Il y a un vrai sujet dans ce secteur, aucune étude de circulation, mais un constat évident qui a été donné par Dorothée Bilger. Ensuite, sur la redingote, oui, nous avons fait une étude parce que c'est une alternative et que notre devoir est d'étudier les alternatives, même si on est réservé. Sur Glétigny, Kléber, Laboulaye, il est évident que ça va être un bazar sans nom. Alors vous nous dites, oui, on va passer à la zone 30 pour sécuriser. Mais les zones 30 sont mises pour diminuer les circulations dans toutes les communes. Ce n'est pas pour les absorber, c'est pour les diminuer. Or, on va constater que la zone 30 ne réglera pas l'augmentation de fréquentation. Vous dites la vidéosurveillance. La vidéosurveillance est un outil qui accompagne la gestion, mais qui ne régule pas. Donc tout ça sont quelque part des artifices pour faire avaler les choses. Alors ensuite, on a le plateau Saint-Antoine. Finalement, tout ce changement s'est fait pourquoi? Pour diminuer les bus sur l'avenue du Général Leclerc. Car l'avenue de Basseux, moi j'ai écouté pas mal de gens, je pense que ça se passe bien. Alors, il y avait la rue du plateau Saint-Antoine. Bon, tous ces gens sont en réflexion et interrogation. Quand vous dites les bus resteront à l'avenue de Basseux, la rue du plateau se frotte les mains. Quand vous dites on va remettre en double circulation les voitures sur l'avenue de Basseux, eh bien, je peux vous dire que l'avenue de Basseux va être pénalisée par ces changements. Seules, effectivement, les 15 maisons de l'avenue du Général Leclerc seront satisfaites. La rue de Versailles, dans sa portion sud, va être lésée. Glatigny, il faut bien séparer la portion est et la portion ouest par rapport à la rue Corneille, rue Molière. Tout ça, je ne vais pas y revenir, montre bien qu'il y a un travail à faire qui n'est pas terminé et que donc nous voyons beaucoup trop tôt tout ceci. Alors, nous avons découvert ce matin une délibération qui n'était pas prévue. Donc, ça veut dire que si ce conseil n'avait pas été fait, il n'y aurait pas cette délib. Et donc, en vous écoutant, d'une oreille attentive, mais d'un œil également qui lisait la délibération, je vais vous lire le dernier considérant. Vous avez écrit, puisque c'est signé par vous, que l'autorité organisatrice des mobilités Île-de-France Mobilité a souhaité, pour lancer la mise en œuvre de ces nouveaux tracés, qu'une délibération du conseil municipal puisse être prise afin d'officialiser la position de la ville. Donc ça veut dire que cette délibération, comme Île-de-France Mobilité doit recevoir beaucoup de lettres contestant le sujet, ils se disent « attention ». Sauf que vous avez rajouté « suite aux concertations menées avec la population ». J'ai pas du tout entendu parler de cette concertation ou de ces concertations, et je dirais même que ce conseil, et heureusement que nous l'avons, ouvre le débat. Alors, cette délibération, bien évidemment, dans l'État, nous ne pourrons pas la voter, notre groupe. Je rappelle que nous représentons quand même 4326 voix et que vous représentez 4250 voix d'électeurs, même si la majorité vous a été acquise avec le peu de différence. Donc nous considérons que la légitimité de nos voix est importante, sans tenir compte bien évidemment des 63% de gens qui n'ont pas voté, qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, donc je voulais dire qu'aujourd'hui, je pense que cette délibération est prématurée, et que votre précipitation à faire ces changements sont un handicap pour beaucoup de populations
et je pense aussi beaucoup pour vous et votre équipe, et je pense qu'il serait raisonnable d'attendre le mois de septembre, de ne pas se précipiter, car nous avions prévu, et vous allez le reprendre, une concertation générale sur l'état actuel, les plans de circulation, une étude de circulation dont vous ne parlez plus du tout, il faudrait même la compléter. C'est un travail qui peut nous demander peut-être 2 à 3 mois. Je pense que tout ceci pourrait largement être fait, et les changements qui avaient été prévus à l'époque, à la Toussaint et pas en septembre, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Et enfin, je termine par là, vous argumentez en permanence que le projet avait été validé le 6 septembre, vous avez dit signé, je vous défie de m'envoyer une lettre signée par moi confirmant cela. Voilà. Donc, non mais vous pouvez sourire, moi je ne souris pas parce que le sujet est trop important et le sourire n'est pas une réponse. Je pense que les habitants qui nous écoutent attendent autre chose que des sourires, j'allais dire narquois, ce serait pas gentil, des sourires qui sont comme... je dirais, des fausses réponses. Je pense que la population attend, et que ce soit des pros de Le Pierre, pros Briot, on s'en fiche complètement, c'est l'intérêt général qui prime, et c'est la raison pour laquelle nous avons présenté toutes et tous quelque chose de posé, parce que nous souhaitons que votre décision soit la même, et que ce ne soit pas une décision de dette électorale. Merci. Bien, je ne vais pas rebondir parce qu'on a largement échangé sur le sujet. Juste rappeler que le communiqué de presse du 6 septembre, il a de la valeur. Bien sûr qu'il n'y a jamais eu pour aucun tracé, ni le tracé d'origine, de signature contractuelle. Vous le savez, ni sur le tracé d'origine, le vrai, ni sur le tracé modifié pour les raisons qu'on peut imaginer, ni sur ce tracé-là, il y aura d'accord contractuel parce que ça n'est pas prévu. C'est l'autorité organisatrice qui a la responsabilité. Après, le communiqué de presse public, votre communiqué de presse, parce que vous en avez fait un deuxième sur le site de la ville, je crois qu'ils ont de la valeur pour la population. Alors que vous essayez d'expliquer aujourd'hui que... Oui, d'accord. Mais enfin, à un moment, il y a des communiqués de presse, vous n'avez pas glissé sur le clavier en les faisant. Donc à un moment, en tout cas, ça a été perçu par l'ensemble de vos administrés comme étant un engagement fort. Et vous vous êtes, je crois, déplacé dans les quartiers concernés pour le leur dire. Donc il y a des gens qui vous ont entendu, ils n'ont pas rêvé, il y a des gens qui vous ont entendu. Vous avez annoncé des dates d'engagement. Donc à un moment, quelque part, vous revenez sur opposition, ce n'est pas la première fois, mais il faut en assumer le choix politique. Parce que je comprends que vous soyez un peu en situation d'inconfort. Je demande simplement l'application d'un accord dont vous étiez signataire. Voilà. Non, nous n'avons, ne dites pas non. Nous n'avons jamais été signataires, et d'ailleurs, vous venez de le reconnaître, il n'y a eu aucune signature. C'est la raison pour laquelle Nicolas Alquier a rappelé que devant ce projet qui nous avait intéressé, et je l'ai dit, et j'ai pas de honte à le dire, avec Dorothée Haute, nous l'avions dit, c'est que lorsqu'il y a eu une analyse des conséquences sur le quartier nord-est de la ville, nous avons réuni tout le monde, et c'est à cette suite que nous avons dit « on patiente et on voit ». Moi, ce que je vois aujourd'hui, si vous voulez, c'est que depuis votre élection, d'ailleurs, on constatera au compte-rendu d'aujourd'hui le nombre de jeux que vous avez dit, que vous avez instruit seul ce dossier, sans concertation. Venant de votre part, c'est savoureux. Sans concertation. C'est savoureux, c'est un doux euphémisme. Le nombre de jeux que vous avez tenus aujourd'hui, venant de votre part, c'est touchant. Oui, en tant que maire, je vais prendre mes responsabilités, mais je vais faire voter le conseil. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Oui, peut-on considérer que nous avons eu les compléments d'échange nécessaires ? En tout cas, je vous remercie du travail fourni et des échanges. J'espère que les réponses que j'ai pu apporter vous ont éclairé sur notre position. En tout cas, moi, j'entends que de votre part, il y a une position claire sur la volonté de maintenir ce tracé. C'est ce que Mme Alquier a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de caractère. C'est ce que Mme Alquier a dit tout à l'heure, vous le relirez au PV ? Non. Ou alors il est temps de dire, parce que je crois qu'à un moment, il va aussi falloir que vous vous positionnez. C'est bien de demander, de donner du temps au temps. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce que pour l'instant, vous n'avez fait aucune proposition autre de se dire il faut attendre. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui subissent des nuisances extrêmement importantes par un tracé que vous avez imposé sans aucune concertation, parce que je vous rappelle qu'entre le 17 juillet et le 24 août, vous me demandez du temps, vous m'expliquez que l'été n'est pas la bonne période. L'été dernier, ça ne vous a posé mais absolument aucun problème. Alors, soit vous êtes frappé d'amnésie, c'est possible, soit à un moment, vous avez envie d'occulter une bonne partie de cette séquence. Moi, je n'ai rien oublié de l'été dernier. Rien oublié, j'ai suivi toutes les séquences de A à Z. Voilà, donc je pense que vous êtes vraiment le moins bien placé pour nous expliquer que l'été n'est pas la bonne période. Je crois qu'il y a aujourd'hui, effectivement, après 10 mois, nécessité à trancher. Voilà, vous aviez tout loisir entre le mois de septembre et le mois de mars de faire de la concertation, même si moi je considère que le tracé du 6 septembre a de la valeur,
à la valeur. Vous avez décidé a posteriori d'organiser la concertation et vous n'en avez strictement rien fait. Strictement rien fait. Vous avez clairement joué la carte du pourrissement. Et aujourd'hui, je crois que Mme Alquier a l'honnêteté de le dire, si vous deviez choisir, vous maintiendriez le tracé actuel avec, après avoir écouté tous les arguments en matière de sécurité, l'acceptation que pour 15 de vos administrés, eux, ils aient le droit à 750 bus par jour sous leur fenêtre. Ok, mais là, on est en divergence forte. Voilà. Et donc, moi, je propose un tracé qui n'est pas parfait, qui corrige des défauts structurels du tracé que j'ai porté avec vous, parce que je crois qu'on a fait 16 réunions ensemble. Je crois que nous avons arpenté ensemble la rue du Général Leclerc, la rue de Basseux, la rue du Plateau. Je crois que vous étiez en tête du bus qui a fait circuler l'ensemble des élus de Versailles Grand Parc en mars 2018 dans ce secteur précis. Donc là aussi, si vous êtes frappé d'amnésie, j'ai tous les PV et tous les comptes rendus pour vous rafraîchir la mémoire. Donc vous ne pouvez pas non plus, vous exonérer de vos responsabilités de maire. Elles étaient fortes. Vous avez écrit beaucoup de courriers à cette période, beaucoup de courriers. Et donc, je rappellerai, je l'ai déjà fait à un certain nombre d'administrés, vos responsabilités en ce domaine. Moi, à un moment, je prends les miennes. Oui. Je considère qu'à un moment, le travail qui a été fait, je n'étais pas autour de la table, le travail qui a été fait au mois de septembre répond aux enjeux d'intérêt général. Il va satisfaire des administrés, il va sans doute en gêner quelques-uns. On va accompagner la mise en place de ce tracé, mais je crois que le moment est venu d'être clair sur les positions. En tout cas, la mienne est claire, alors, la vôtre beaucoup moins. Eh bien justement, je vais la clarifier maintenant. Notre position est claire. Madame Bélier, je vous en prie, on a le moyen de quand même la possibilité de nous exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Non, c'est bon. Bien. Alors, notre position est la suivante. C'est que toute évolution du tracé est tout à fait légitime sous la réserve expresse suite aux concertations menées avec la population. C'est pas notre équipe, c'est pas moi-même, c'est pas Dorothée Bilger qui décidons. C'est une décision que vous pouvez proposer à VGP et donc à Île-de-France Mobilité avec la certitude qu'elle répond à cela. Nous ne disons pas qu'il faut maintenir la ligne 1 dans ces conditions, nous demandons à ce que les différents secteurs puissent permettre de pouvoir rejoindre les gares telles que c'était fait. Voilà, c'est pas autre chose. Si vous avez d'autres solutions pour permettre éventuellement de satisfaire tel ou tel sujet, il n'y a aucun problème. Cette seule modification que vous avez proposée n'est faite que pour diminuer la circulation avenue du Général Leclerc, point à la ligne. Or, ce point, vous l'avez travaillé également avec nous, puisque l'avenue du Général Leclerc n'était pas le sujet. Le sujet, c'était l'avenue de Basseux, je vous le rappelle au départ. Donc, notre position est très claire, nous ne sommes pas obstinés à maintenir la ligne 1 dans ce contexte-là, nous sommes obstinés à dire attention au carrefour Glatigny, Laboulay, Kléber, et attention à pouvoir desservir entre la Redingote et la place de la Loire un quartier très dense, puisque je rappelle que la densité est d'1,3 dans le triangle rue de la Selle, rue de Versailles et boulevard Saint-Antoine. C'est tout ce qu'on demande. Et aujourd'hui, on peut très bien se retrouver ensemble au mois de septembre avec un avis favorable à l'unanimité. C'est tout. On vous demande tout simplement de sursoir parce que votre délibération que vous allez nous soumettre au vote dans quelques instants, mais afin d'officialiser la position de la ville suite aux concertations menées avec la population. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'enquête publique de VGP ou autre sur le tracé. C'est un autre sujet, un autre débat. Point. Donc, vous allez nous présenter cette délibération. Dans l'état actuel, nous votons contre, non pas pour ne pas faire évoluer le tracé, mais parce que ce que vous avez écrit n'est pas conforme et pas sincère. En matière de sincérité, voilà. Monsieur Jarry, je vous en prie, je vous laisse quitter la séance. Bien, je considère que les échanges sur ce point d'information sont terminés et je remercie l'ensemble des participants de les avoir alimentés. Nous allons passer à une délibération donc concernant l'approbation de la mise à jour à l'ordre du jour d'un dossier urgent. Donc en l'application de l'article L21-12 du Code général des collectivités territoriales, donc en cas d'urgence, un sujet peut être ajouté à l'ordre du jour du Conseil. Lors de la séance du 2 juillet, il a été procédé à un point d'information sur l'évolution du réseau de bus. Lors de ce point d'information, il a été indiqué que le tracé validé début septembre 2019, considéré comme étant le seul correspondant aux corrections nécessaires au réseau mis en service le 26 août, serait mis en œuvre le 24 août 2020. C'est pour cette raison que donc, le Conseil est invité à délibérer en urgence. Et donc je vais vous demander donc de voter sur l'approbation de la mise à jour de ce point au Conseil. Y a-t-il des votes? Oui, Monsieur Briot. Donc l'urgence concerne la délibération qu'on a reçue ce matin. C'est juste pour bien... L'urgence concerne
la délibération numéro 3. Donc on vote pour l'urgence. On a ensuite une délibération pour la notion d'urgence. Oui. Et la notion ensuite d'urgence, c'est cette délibération. Oui. Donc effectivement, notre groupe votant contre cette délibération, elle votera contre la notion d'urgence, c'est cohérent. Merci. Alors, votons contre M. Briot, Mme Gagnervio. Oui, mais il faut que je donne les noms, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'on pourrait actualiser les gens qui sont partis avec les pouvoirs? Alors, à ce moment-là, je veux bien que donc, vous indiquiez, vous nommez pour le PV les gens et les pouvoirs. Donc, M. Briot, vous avez les pouvoirs de... Alors, nous avons Mme Laetitia Viau qui a le pouvoir de... Madame Elquier, qui a dû s'absenter pour son mari. Ensuite, nous avons Thierry Riotor, qui a pouvoir pour moi, et Jean-François Pemery. Madame Ripoll, je ne me rappelle plus. Madame Nocringer, qui est pour. Et Monsieur Pemery. Voilà. Donc, le seul pouvoir nouveau, c'est Madame Elquier qui a quitté la séance. Voilà. Donc ça veut dire que tous les membres de notre équipe, pardonnez-moi Monsieur le maire, tous les membres de notre équipe sont présents ou physiquement ou par pouvoir. Il n'y a aucun absent sans pouvoir. Madame Ripoll. Oui. Bon. Donc, 9. Y a-t-il des abstentions? Est-ce que vous pouvez nous dire également chez vous, dans votre groupe, ceux qui sont partis et les pouvoirs qu'ils ont donnés? Oui, on va reboucler. Non, Madame Bataille. Oui, c'est Madame. Les deux départs. Merci. Donc, y a-t-il des abstentions? Une abstention, Madame Temenides, et pour l'ensemble du reste du groupe majoritaire et de leur pouvoir, avis favorable. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3, portant demande de mise en œuvre du schéma de desserte des lignes 1, 2 et 5 sur la commune du Chesnay-Reconcours, validé en septembre 2019. Lors de la séance du 2 juillet 2020, il a été procédé à un point d'information sur l'évolution du réseau de bus. Lors de ce point d'information, il a été indiqué que le tracé validé début septembre 2019, considéré comme étant le seul correspondant aux corrections nécessaires du réseau mis en service le 26 août 2019, serait mis en œuvre le 24 août 2020. Cela résulte du travail d'étude de 4 scénarios conduits par Versailles Grand Parc et Keolis, à la demande de la nouvelle majorité élue le 15 mars. Vous avez eu les documents en pièce jointe. C'est pour cette raison que le Conseil est invité à délibérer en urgence. Qui vote contre? Donc, Madame Ripoll, est-ce qu'il y a besoin de vous redonner tous les noms ou, voilà, donc vote en symétrie. Qui s'abstient? Madame Temenides. Qui vote favorablement? L'ensemble des membres du Conseil et leur pouvoir. Monsieur le maire, j'ai une question, s'il vous plaît. Je vous en prie, concernant ce vote, est-ce que la déléguée au déplacement a voté par l'intermédiaire de son pouvoir? Oui, puisque j'ai indiqué qu'en dehors de Madame Temenides, tous les autres représentants et leur pouvoir ont voté favorablement. Le déplacement, c'est Madame Majou, je crois. Oui, mais elle a donné son pouvoir. Donc elle a voté oui, favorablement cette modification. Absolument, absolument. Excepté, alors, excepté Monsieur Darentière qui n'est... Voilà, il y a Monsieur Darentière qui est absent. Tous les autres membres du groupe majoritaire se sont positionnés favorablement, à l'exception de Madame Temenides. Très bien, merci bien. Je vous en prie. Nous profitons de cette séance pour passer une petite délibération technique, mais qui nécessite là encore l'approbation de la mise à jour d'un dossier urgent, donc qui concerne les tarifs du tennis, puisque par délibération date du 18 décembre 2019, le conseil municipal a fixé les tarifs du tennis loisirs applicables pour la période du 1er janvier au 31 août 2020. Comme nous ne nous réunirons au Conseil que le 10 septembre prochain, nous nous serions retrouvés dans un petit trou, pas dramatique, mais pas génial. Et donc, afin de se donner le temps d'examiner les perspectives d'avenir de l'activité tennis-loisirs, le Conseil municipal n'a pas souhaité délibérer sur de nouveaux tarifs applicables à partir du 1er septembre 2020. Il s'avère donc nécessaire de délibérer pour prolonger la validité des tarifs adoptés le 18 décembre 2019. C'est pour cette raison que le Conseil a été invité à délibérer en urgence. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité des membres présents, je vous remercie et je passe pour cette délibération sur la tarification du tennis loisir la parole à Monsieur Voiseux. Merci Monsieur le maire. Donc comme vous l'avez expliqué, on demande de pouvoir prolonger au niveau des tarifs, à déjà prolonger la période de validité des forfaits définis par la dite délibération et dans le même cas de prolonger les tarifs jusqu'au 4 octobre pour pouvoir discuter de l'avenir du tennis loisir. Et vous avez le tableau qui reprend tous les tarifs. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. La séance est terminée. Je vais donc vous rendre votre liberté. Vous souhaitez à celles et ceux qui prennent des congés de bonnes vacances. Pour ce qui me concerne, je resterai disponible pendant l'été pour celles et ceux qui veulent me rencontrer pour parler de tous les sujets, y compris des sujets bus. Et si on ne se revoit pas, rendez-vous pour le conseil de rentrée qui, je crois, a lieu le 10 septembre et pour les commissions qui se réuniront avant dans un souhait bien compris et partagé par l'ensemble des membres de ce conseil. Monsieur Briot. Juste dire, vous nous rendez notre liberté, on n'a pas eu la pression de l'avoir perdue malgré tout. Merci. C'était une expression. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a ?